Bonjour à tous, je suis Lolo Watrolo et je vous présente ici une petite astuce, mais appelons un chat, cela serait plus la rectification d'une erreur de codec concernant les claviers Akai MPK. Cette rectification vous permettra de contrôler les 8 boucles REX de l'Octorex ou également de contrôler les patterns d'un Redrum ou d'un Matrix et cela avec les pads. Comme ceci, donc je prends l'Octorex, je tape sur mes pads. On peut voir, je peux sélectionner, ou sur le Matrix par exemple, les patterns A, B, C, D, et sélectionner comme je le veux avec les pads. Alors, pour ce faire, pour faire cette rectification, il faut aller chercher le dossier Remote de Reason qui se trouve pour Windows 7 dans ses Program Data, Propeller Software, Remote, Codec, Lua Codec, Akai. Là, vous avez la série des périphériques Akai qui sont nativement reconnus par Reason. Donc, moi, ce qui me concerne, c'est le MPK49. Donc, je vous conseille premièrement de sélectionner les deux fichiers et de faire un copier-coller dans un dossier à part pour en avoir une sauvegarde au cas où vous aurez fait une erreur, chose qui n'arrivera sûrement pas. Mais soyons prudents. Alors, pour aller rectifier cette erreur, il faut ouvrir le fichier Lua. Le fichier Lua, donc. Pour l'ouvrir, vous faites un clic droit, ouvrir avec, et vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Bon, moi je ne vais pas ouvrir celui-là puisque je l'ai déjà rectifié. Je vais vous faire voir donc le fichier d'origine. Voilà, le fichier d'origine. Donc, dans ce fichier d'origine, une fois ouvert, nous pouvons voir ici une série de lignes qui indiquent à Reason comment se comporte chaque fader, chaque potard, chaque bouton et aussi également quelques pads. Les pads en fait, ce sont les pads de la banque D, car nous avons quatre banques de pads sur le MPK A, B, C et D. Et la banque D ici se comporte autrement des autres banques puisque la banque D ici se comporte en fait comme si c'était des boutons et non pas comme des notes. Alors, allons voir plus bas où se situe exactement l'erreur. Donc ici nous voyons donc à chaque fois pattern avec des séries de codes. En fait, ce sont les codes que Reason attend pour savoir. Admettons le bouton numéro 9, il doit envoyer tel code. Une fois que Reason reçoit ce code, il sait que c'est le bouton numéro 9. Donc ici, nous voyons pour les pads D1, il devrait Reason attend le code CF00. Pour le pad D2, le CF01. Mais voilà, les pads que le MPK 49 envoie lorsqu'il est sur le preset Reason ne sont pas ces codes-là. Ce n'est pas CF00, mais tout simplement 9F00. Il faut transformer toute la colonne ici de C par le chiffre 9. Donc il faut supprimer le C et je mets un 9. Je descends, je supprime le C, je mets un 9. Ainsi, pour toute la colonne. Et voilà. Et maintenant, vous pourrez contrôler vos boucles d'Octorex, vos patterns de Redrum, vos patterns de Matrix à l'aide des pads de la banque D de votre MPK. Voilà, c'est tout. Allez, ciao!